Et salut à toutes! Coucou! Alors on se retrouve pour un big retour de course. Voilà, on a fini nos courses jusqu'au 4 novembre. Voilà, jusqu'au 4 novembre. Il n'y a que, bon, on ferait les desserts, que ça on rachètera, parce que ça, les desserts, on les prend par semaine. Miam miam, les desserts. Voilà. Mais sinon, on a tout le reste. Exactement, c'est super! Ouais. Alors, et... je vais vous dire, pardon, contre ce qu'on avait en surgelé, parce que je l'ai de suite mis au congélateur. Oui, parce qu'on a la Ticine qui n'a pas voulu démarrer, donc du coup, on a perdu le temps. Non, elle a mis 10 minutes à démarrer, sympa. Alors, on a au congélateur un risotto champignon poulet de 900 grammes, un paquet de poissons panés, des cordons bleus, 1 kg d'haricots verts, 1 kg de légumes à ratatouille, 500 grammes de pommes dauphines, des carottes en rondelles bio village, des poivrons en lanière bio village, 2 paquets de steak haché à hamburger, de la viande hachée, des buns et voilà, et 2 paquets de buns pour le congeler. Et le montant, je vous dirai après. Oui, parce qu'on en a eu pas pour vous. Allez, vas-y, stop. Alors, je vous présente aujourd'hui 4 packs de lait de EcoPlus, 2 paquets de céréales pétales de 750 pour les filles. Grammes. Parce que je peux pas les manger. Bah, c'est comme une choc à pic et elle les aime. Ici nous avons 3 litres d'huile de tournesol. 3 litres d'huile de tournesol. Et le big format. Attendez, je vais vous dire. Eux, c'était en promo. L'eau de 5. Il y avait une promo sur eux. Oui, et les promos qu'on vous dit, elles sont toutes à Leclerc. Oui, puisqu'on a fait les courses à Leclerc. Oui, non, mais c'est dans tous les Leclerc, c'est pas spécialement Leclerc Follet. Alors, ça me non, c'est Alice. Non, juste Alice, ouais, excusez-moi. Ils sont les gâteaux. Arigato. Ils sont les princes, je les vois pas. Arigato. On fait du chinois un peu. Ah ici, ouais, les princes, voilà. Ils sont à 4,99 au lieu de 7 et quelques le paquet de 5. Oh putain, j'ai dit une connerie, c'est pas du chinois, c'est du japonais. Konnichiwa. Alors là sur la table c'est bon. Sa congélation, mais on a mis autre chose dedans. Alors j'espère que vous êtes prêts et prêtes. Soyez assis hein, parce que il y a 1, 2, 3, 4, 5, 5 cabas. Si, 10 melons, 10 melons. Ouais. Le melon, il était pas très cher. Attends. Non, 3,45€ la pièce. Bon, ça va. Bah, bon. Alors comme je ne vous ai pas trouvé le couscous en boîte, je vous ai pris la tartiflette. Oui, ben, j'avais pas envie de t'acheter, donc ça remplacera. Tiens, mets-les en dessous. Ah, ça y est, ça se dispute. Ça me fait penser à... Arrêtez de vous disputer. Je sais pas vous, mais nous. Ça fait un long moment que ça dure. Elles ont des périodes où elles s'adorent. Et là, en ce moment, c'est chien et chat. Mais par contre, si on les sépare, c'est... Maman, je veux Océane. Maman, je veux Julia. Tu l'as refait bien. Oh. Cette famille. Ça, c'est pour la cheminée. Décolle-toi un peu, là. Je peux pas, je les sacs. Oui, tu peux décoller un peu. Alors voilà, ça, c'est pas pour une cheminée, parce qu'on n'a pas de cheminée, on a un insert. C'est pas pareil. C'est pour la vitre de l'insert. Pas pareil. Et on a un four qui est complètement dégueulasse. Oui, qu'il faut que je nettoie. Ça sert pour les deux. Donc ça va, voilà. C'est une mousse active en 5 minutes. On laisse s'agir et puis c'est magnifique. Ici nous allons faire les beignets au brooch, mais comme on n'a pas forcément eu le brooch, ben, du coup on a pris du brebiou. Et il y avait 50 centimes de réduction. Voilà, tout le monde connaît, tout le monde est. Voilà, ça c'est très bien. Le brebiou. Ça fera bien l'affaire. Ici nous allons faire des pâtes, comment tu appelles ça, des vermicelles. Des vermicelles. Donc nous avons pris des bouillons, deux bouillons exactement, enfin un fond de veau et un cube de, pour les pâtes. Pour pâte plus basilic, huile d'olive. Ça va être bon. Miam, ouais. Miam. Des purées dans ça? Non. C'est fini. Non, pas les courses. Non, les courses, c'est continu. Nous avons là un paquet de chips. Alors ça, c'était pas prévu, mais demain à midi, on va se faire un petit pique-nique pour faire découvrir un petit endroit aux filles.
et on vous fera une petite vidéo, voilà, sur l'endroit. Ici, nous avons donc les paquets. Là, ceux-là, ils sont par 15 crêpes. Je crois qu'il y en a deux en tout. Ici, nous avons de la volaille. Ah, eux, ils n'étaient pas chers. Non, combien? Non. J'en ai trois. Oh, des émincés de poulet. C'est des émincés de poulet. Je ne l'ai pas vu. Il y a combien de grammes dedans? Il y a 500 grammes. Il y a 500 grammes. Alors, les émincés de poulet. Elle est où la viande? Elle est là. 3,49 la barquette. Alors que la barquette d'aiguillette, elle est à 3,49 voire 4 et quelques en fonction du poids. Donc c'est vraiment beaucoup plus intéressant comme ça. Et surtout, il y a des super promos au niveau de la viande. Ah, c'est le clair, c'est pour ça qu'on aime bien. Quoi? Ah, tu voulais les faire? Ben, je vais être obligé de les faire. Madame a pris des pâtes toutes prêtes. C'est quoi? Voilà. Maintenant, elle va lire. Traces de fruits à coque. Oh, dans ça, des traces de fruits à coque. Et je te l'ai pas dit ce matin? Oui. Je te l'ai pas dit? Oui, mais celle que je voulais à la base, elles étaient pas là. Je m'en fous. Eh bien, on a pour un. Alors, comme ce à la fin du mois, le 31, il y a Halloween, des petits chamallows. Non! D'ailleurs, chez nous, c'est Samaï. On vous expliquera ce que c'est Samaï. Le jambon, là, il est en 6 tranches parce qu'il va y avoir des croque-monsieur. Et sur mon calendrier, la recette de Mère Parfaite, c'est croque-monsieur à elle. Oh, je vais la faire avec le comté, elle me donne pas envie. Allez, m'en prends les petits bonbons. M'en prends les petits bonbons. M'en prends les petits bonbons. Des bonbons. Allez. Des bonbons. Un sentiment de bonbons. Bon, ça, c'est pour moi, hein. Une fois par mois. Ben, vous savez, en fait, pour ceux qui se disent pourquoi ils n'achètent pas des bonbons Haribo, comme tout le monde, la scène vous est présente. Et pourquoi? Tout simplement parce que c'est les mêmes, en fait. C'est juste la marque qui change, mais c'est les mêmes bonbons. Ici, nous avons donc du papier cuisson. Et là, alors, c'était une super promo, l'affaire de la semaine. Les 2,80 kg de côte de porc, 5,40 €. À la base, il nous en fallait 4, mais c'était le prix des 4. Donc là, je vais reconditionner, je vais en mettre 8 par 4 dans les sacs congélation. Et congélateur, j'en ai au moins pour 2-3 fois là. Tout à fait. Ici, nous avons des croisés mozza pour la cuisine. Ça, c'est pour les panini. Un petit paquet de fraises. Oui, bon, ça va servir à rien. Non, il n'y a pas fait ça. Le grand paquet de fraises. Tu les as tués. Ah, ils se sont. Tu les as tués, ça y est. Oh, les poulets sont pas nés. Mais non. Des nuggets de poulet. Oh, on a les 5 photos. Ouais. Hein, on a parlé comme ça, tiens. Alors, en papier toilette comme ça, on en a pris 2. Comme ça, ça nous fait bien tout le long. N'est-ce pas? Ça a mal au ventre. Un petit filet de pommes de terre pour compléter. C'est lourd. Des cubes or. Non, c'est des cubes pour le feu. Elle était bonne celle-là quand même. Ouais, je vais la noter. En grosse boîte, on a trouvé. Donc ça, c'est des. Ça dure plus longtemps. Ouais, c'est des cubes. Les petits chipsters, ça, c'est pour demain pour le petit pique-nique. C'est pour moi, ouais. Ça, c'est pour moi. C'est pour mon goûter. Ah, c'est Nesquik, ça c'est pas pour moi parce que je peux pas les manger. Une petite barre comme ça. Je crois que j'en ai 3 ou 4. Et j'en ai pris une, comme il n'y avait pas ce magasin, une Chocapic. Quelle farita, ça ne dépasse. On a pris extra doux parce que la dernière fois on a pris un. Il a arraché. Ouais, il a arraché seulement. Ouais. Du pain à hamburger. Maison. Ici nous avons du râpé de mozza. Ainsi que suivi du parmesan. Enfin, du parmesan, ouais. Ouais, du râpé de fromage. Là, il s'est repris. Alors, il n'y en a pas, il a pris tarte de lisse à la. C'est quoi? Tarte pomme, là. La dernière fois, c'était à quoi? Myrtille. Myrtille. Oui. Ah, myrtille, et qu'est-ce qu'on a trouvé? Bon, mais un peu sec. Donc là, je m'attendais à plus fourni en donc, matière. Là, on a pris à la pomme. Alors, il y a un petit truc à savoir avec ça. Si vous les prenez comme ça, elles sont molles. Mais si vous les mettez au four... Attends, tu l'as fait ? Deux, j'en ai fait. Mais si vous les mettez au four, elles durcissent un peu, ça fait vraiment la tartelette d'antan, vous savez ?
Celle que mamie faisait. Ah, tu t'es trompé, c'est pas les bons, regarde, tu les as pris avec ça. Non, j'ai fait exprès. C'est des briochés. Bon. C'est pas des briochés, banane. La crème. Ah oui, c'est des briochés. Émincée. La crème émincée, moi. N'importe quoi, n'importe quoi, quoi, tu dis n'importe quoi. La crème entière. La crème émincée. Les petits cheveux d'Inde, ça c'est pour nos soupes de vermicelle. Il y a 500 grammes dedans. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Ça va, tu as peur de te faire traquer par YouTube ou quoi? Ouais, génial. Allez, monte ta bière. Ça y est, j'ai monté. La Belzébuth à la violette. Du spécial du ferro râpé. Là, nous avons du Nesquik. Un bon Nesquik. Un fond de veau. Et pourquoi le fond de veau? C'est pour les pâtes. Pourquoi? C'est pour le bouillon de pâtes, le cheveu d'ange. Et pourquoi tu peux pas pris un burger normal? Le poulet de pipou! Oh putain, qu'est-ce qu'il y a dedans? Il y a un cadavre ou quoi? Il y a les purées de tomates, c'est pour ça que c'est bon. Ah oui, d'accord. Là, nous avons 6 purées de tomates turini. Nous avons 2 pâtes brisées. 3 brisées et une feuilletée. C'est moi qui les fais les brisées. C'est ma spécialité. Mais tu veux les faire, tu les feras ou les auras maintenant? Les auras quoi? Tu m'expliques le principe. Attends. On va toutes les mettre là. Là. N'est-ce pas? Ah, ils sont là encore. Les deux autres. Les deux autres blancs de poulet, enfin, aiguillettes de poulet. Émincé de poulet. Je suis y arrivé, moi. Émincé de poulet. Là, nous avons deux bûches de chèvre. Je crois que ce retour vidéo mérite quand même le détour. Ici, nous avons des quenelles. Si je les prends en bras, c'est mieux. Et toi aussi, d'ailleurs. Voilà. Et le comté que je vais mettre dans le croque-monsieur. Ah, les quenelles, les quenelles. Là, nous avons du chocochino. Ça, c'est... Et je peux pas les manger. Non, de toute façon, tu ne voulais pas. Ça, il l'adore. Ouais, alors celui-là, exceptionnel. Franchement, c'est vraiment le chocolat de bord. Oui, faut bien respecter les doses, mais ouais, franchement, au top. M'attendais pas à ça. Je m'attendais, tu vois. Par exemple, celui-là, il a vraiment le goût de l'eau, un petit peu, ouais. Un peu caoutchique, quoi, dégueulasse, quoi. C'est, vous savez, les chocolats distributeurs automatiques. C'est meilleur. Alors, non, c'est meilleur. Alors, mes Nesquik, je me suis repris, j'en ai pris des photos. Deux boîtes, là par contre il faut mettre là-bas parce qu'on a plus de... Toujours les crêpes au chocolat pour les filles. Deux paquets de fourrés pour le matin. Des oufs en plein air. Soi-disant. Pas besoin. Et on a 6 baguettines comme ça. Donc là c'est que des baguettines. C'est que des baguettines. Ouais. Et on arrive au dernier. C'est tout? Oh ouais, c'est tout. Des petits bonbons Kangue de guimauve. Ça, c'est pour moi. Ça, ça pareil, c'est les gaufres liégeoises. C'est pour moi, il n'y a pas de alcool. C'est exceptionnel. Deux petits pains de mie. Et mesdames et messieurs, aujourd'hui, nous arrivons sur le plus gros, le méga granola. Ça fait la pub en même temps, c'est bien. Ouais. Ah ben ça c'est pas bon, ça c'est bon. La crème anglaise, pourquoi? Ça c'est mon peu mignon. Ah ben ça c'est pour boire. Pour boire, d'accord. Et je la bois comme ça moi la crème anglaise, j'adore ça. Je suis de l'huile d'olive. Il y en a deux. Du raisin italien. Ah, il était pas cher le raisin, il était à moins d'un euro. Ben c'est normal, c'est de l'italien. Je critique pas les italiens, attention, attention, je ne fais pas de discrimination. Je serais malvenu vu qu'il est italien lui-même. Non, ouais. Je ne suis pas italien. Merci, italien mais tout simplement que le raisin italien, bah, il est cuit. Il est cuit. Moi, non, n'importe quoi. Il est mûri sur pierre. Donc, Il est cuit. Il est cuit, ouais. Le jambon, il est cuit par contre. Le jambon cuit supérieur en 4 tranches. Ça va, te moque pas. La crème liquide. Oh, bah, une autre sauce. Le deuxième. L'autre huile d'olive, pourquoi tu as pris de l'huile d'olive, tu m'expliques? Il y en a déjà 3. Hein.
Non. Si. Ben non. Deux. Ça fait deux, ça trois. Fait quatre. Non, trois. Trois et demi. Oui, mais on les a. Écoute, ceux ah, qui. Mais je vais pas les boire, les bouteilles. Hein. Oui, mais chérie, ceux qui restent, c'est ce qu'il y aura pas arraché le mois prochain. Moi, je vois comme ça. Donc voilà. Alors, mais toi, tu vas m'en racheter. Retour de course, on a eu pour 232 euros. Donc franchement, on trouve que c'est pas excessif parce que là, on voit tout ce qu'on a sur le bar. Et franchement, ça va. Hein. Ouais, franchement, ouais. Sans compter qu'on a fait l'expérience des deux caddies aujourd'hui. Oui. On l'avait jamais fait. Mais non. Là, on s'est dit, il faut qu'on prenne deux caddies parce que un, c'est trop chargé, il déborde à chaque fois. Deux caddies, chaque caddie, Ali. Du coup, chacun avec une des filles. Franchement, c'était pas mal. On s'est vachement bien sorti. Ouais, franchement, nickel. Puis on a eu des bonnes promos, donc... Promo. Bon. Maintenant, mais maintenant, c'est pas tout, c'est qu'il faut ranger tout ça. On va s'atteler à ranger tout ça. Enfin, je vais m'atteler à ranger tout ça. Oui, madame. Du coup, j'ai rajouté ce qu'on a acheté en surgelé. Mon congélateur, là, il est plein. Faut que je range. Je tiens à remercier aussi les participants qui ont laissé des messages de questions. Voilà, j'adore les petites questions comme ça. N'hésitez pas, je fais part aux commentaires de Morgane. N'hésitez pas à nous poser plein de questions, même personnelles. Voilà, ça fait toujours plaisir. Et puis ça montre aux gens aussi qu'on est là et qu'on est prêt à répondre. On n'a aucun secret. À part si on a quelques petits secrets. Bah, on a du privé, après. Oui, voilà. Mais n'hésitez pas, ça nous fait du bien, ça nous fait plaisir. Et puis ça vous fait. On partage, quoi. Voilà, on partage, c'est bien. Voilà. T'as quelque chose à dire? Non, parce qu'on se retrouve demain. Mais vous verrez pourquoi. Pourquoi? Il a oublié, bon, c'est pas grave. Je lui rappellerai. Allez, on vous fait plein de gros bisous. Mouah. À bientôt. Mouah.